Je cite Amadou Djabir qui a reçu le coup
là où tout le monde a échoué, qui est quand même à réussir le 30 juin, pour réunir ma composant Nyonso, au Bazala qui n'a ouingé musique à 4x4 tout terrain sur le même podium. En fait, il va rêver. Moko ya communauté congolaise Nyonso éparpillée à travers le monde, n'a pas étranger ou bazar qui a cru la bonne musique, y a dans la loi papa chéri. Tout est franchement, il est à féliciter. Moi je tiens à rassurer, taba méloman Nyonso y a bonne musique, que cette fois-ci ou jamais. Et tant qu'il y aura événement. Et je souligne en rouge pour Wenge, musique à bon chic, bon genre 4x4, tout terrain, reste et restera le groupe où ils allaient qui est vraiment uni pour le tribalisme et banek au régné entre Bamouté. La preuve, les présidents où ils rassemblent, Azan et Mandoundou, le président Adolphe Dominguez de Manama, le président Blaise Boula de l'Équateur, le président Alain Makaba Kisangani, Papa Chéri du Kassai, bref, Sangana qui ne sont pas qui sont là. Voilà. Et puis tout ça, exemple, mon peuple congolais, il faut tout ce tribalisme de côté pour la unité, le développement. Il y a mon cannabis en fait. Alors, Trésor Lumière, en tant qu'ancien sympathisant, rêve de paix aux générations, vous avez dans les écoles comme ça. Vous pouvez savoir pourquoi on a pas fâché. C'est ça. Quand vous fêtez 70 ans de distance, alors la date moko historique déjà pour la Mboka. Le fait que la date moko historique pour la Mboka, Wenge est un orchestre historique qu'on a oublié tout le monde. Nous tous ici qui sommes jeunes, de s'identifier à la Wenge. Quand on grandissait, on a un lieu fou, mais l'image, au coup, on a spéléti, nous tous, nous sommes jeunes, tous les gens étaient pour Wana. Alors, les 30 juin Wana, ils ont événement intercontinental. Ça veut dire quoi? Amadou Djabé, qui est le producteur, a reçu un appel de partout. Déjà. Il y a Togo, il y a Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, Bénin. Pour éviter ce matin pour Tchabango. Alors nous qui sommes sympathisants à Wenge, nous sommes au Colina Wenge, nous sommes jeunes, les événements d'Abisso. C'est notre truc à nous. Donc là, qui ça, dans le leader Rwanda, qui est Bamonde, orienté Abisso, orienté jeunesse d'Abisso. Parce que Wenge, c'était du bon chic, bon ça. Ça dit que, vous avez propre. On a le vêtement dans la tige de soleil, mais ça c'est Wenge. Et comme ça, c'est Wenge. Alors nous, les gens, on s'identifie à Wenge. Et c'est notre événement. Nous devons être là massivement. On a qui ça. Quand même reconnaissance à la leader voilà, par rapport à l'image de la jeunesse congolaise. Alors, l'émission va d'autres minutes. Nous avons un événement. Et nous avons un événement. 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 Ce que je pourrais dire est que trop attendu, 20 ans après, revoir encore le leader du Wenge sous scène. Donc c'est avec cette unité, c'est vraiment de l'ambiance pour tout le Congolais. À travers cette réconciliation, nos leaders, le président Jimmy Diana, leader charismatique, le roi de la forêt Wilson, Igwe, toujours à côté du grand sapeur Adolphe Dominguez. Là on voit l'ordinateur à 148 mémoires Alain Makaba, le grand capot de Témacela, ainsi que la génie Blaise Boula. Donc vraiment la date est calée pour ces 30 juin. Donc un concert d'unité, un concert de réconciliation auquel tout le peuple congolais, nous devons être unis. Donc c'est ce que je peux dire, voilà. C'est juste ça. On continue avec ça. Libéco, décision à monde.
voyez bien, moi, je suis en appel d'abord, sous la décision et la musique. La saillie partout, dans l'action, dans la Belgique, le droit de matière Paris. Dans l'action, la saillie partout, dans les States. C'est la fin, malheureusement.
Merci beaucoup. On se retrouve le dimanche prochain, même heure en attendant le 30 juin. Merci aussi à vous qui nous suivez.